Alors aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième volet de la vie d'Edgar Kessy. La dernière fois, vous vous souvenez, nous en étions restés au mariage de Gertrude et d'Edgar. Après six ans de fiançailles, le 17 juin 1903, ils se marient. À cette époque, Edgar habite à Bowling Green euh, donc, euh, et Gertrude était à Obskinville. Alors elle vient le rejoindre, bien sûr, puisqu'ils vont se marier. Et euh, Edgar vit en colocation avec trois médecins dans, un, dans une pension de famille. Alors, eh bien, il est évident qu'il ne veut absolument pas que les médecins soient au courant euh, de ce qu'il fait, des lectures qu'il donne. Le problème, c'est que comme Edgar est parti d'Obskinville parce quil euh, il, il arrêtait un petit peu les lectures avec M laine, eh bien sa voix s'en va, il perd sa voix de nouveau puisqu'il ne fait plus de lecture. Il travaille dans un studio photo et donc à chaque fois que sa voix repart, il appelle M Laine et ensemble ils font euh, des, euh, des lectures. Et sa voix revient à chaque fois. Il s'est même aperçu, Edgar, qu'en fait, il a la possibilité de faire des lectures à distance. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les personnes qui avaient des problèmes de santé étaient présentes. Et là, étaient présentes. Et là, en fait, eh bien, un jour, Monsieur Laine lui parle d'une personne qui est à une distance assez importante. Et Edgar dit Bien, je vais essayer. Et en fait, il se rend compte que les lectures sont tout aussi justes, même si la personne n'est pas présente et est très loin. Donc, eh bien ça leur permet de faire euh, souvent des lectures, et comme ça, la voix d'Edgar reste. Mais à chaque fois que M. Laine revient d'Obskineville, euh, vient voir Edgar, et eh bien, à chaque fois, Edgar lui dit Surtout, vous ne dites rien. Surtout, vous ne parlez pas à mes colocataires de toutes ces lectures que je reçois et de l'auto-hypnose euh, que je pratique. Monsieur Laine s'engage à ça. Et puis arrive donc le mariage d'Edgar et Gertrude le 17 juin 1903. Alors, bien sûr, à ce mariage sont conviés les locataires, les colocataires, les trois médecins et Monsieur Laine. Et là, qu'est-ce qui se passe eh bien, M. Laine ne respecte pas ce que lui avait demandé Edgar et il va aller raconter aux trois médecins ce qui se passe avec Edgar, les lectures, l'auto-hypnose. Edgar est très en colère. Edgar est très en colère et d'ailleurs ne voudra plus jamais entendre parler de M. Laine parce que c'est une trahison complète pour lui et ça le met en porte-à-faux par rapport à ses colocataires qui, a évidemment, d'un seul coup, le regardent différemment. Et puis, ils sont très curieux. Ils sont très curieux de ce que M. Lenne leur a expliqué. Euh, et ils veulent en savoir plus. Alors, qu'est-ce qu'ils font Ils se mettent d'accord pour qu'il y en ait un des trois qui demande une lecture à Edgar Cayce. Edgar Cayce dit oui. Edgar Cayce, c'est un homme gentil qui ne voit pas le mal. Et... Euh, le médecin lui demande une lecture, pourquoi il lui refuserait Donc, il accepte. L'auto-hypnose est faite par Edgar. Et en fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Eh bien, il y a le médecin qui avait demandé la lecture, a amené un canif, et pendant qu'Edgar est en auto-hypnose, il lui taillade le, la peau sous les ongles. Alors, bien sûr, tant qu'Edgar... Et dans cette auto-hypnose, il ne sent rien. Mais quand il se réveille, bah, il ne comprend pas pourquoi il souffre tellement du bout des doigts. Et quand il regarde, il s'aperçoit qu'en fait, il a tous les bouts des doigts tailladés sous les ongles. Et donc là, comprend en fait la supercherie du médecin et qu'il voulait essayer de démontrer qu'en fait, Edgar Cassie était un, un, un charlatan. Donc Edgar là, euh, se fâche et dit que plus jamais il n'acceptera euh, que qu'un médecin veuille faire une expérience sur lui. il va alors rencontrer le docteur ketchum. le docteur blackburn d'abord, excusez-moi, d'abord le docteur blackburn. il rencontre ce docteur et euh, en fait euh, cet homme, qui pourtant est en lien avec un comité de médecins, accepte euh, d'assister edgar pendant ses lectures. Et donc, à cette époque-là, c'est-à-dire vers à peu près 1905, Edgar va, va s'associer pour ouvrir un studio photo. Parce que voilà, la photo est quand même pour Edgar quelque chose de très important. C'est un très bon photographe et puis c'est une passion pour lui. Donc, il, il, il s'associe donc avec un homme qui, lui, a les moyens, parce qu'Edgar n'a pas les moyens d de prendre un studio photo il s'associe avec lui et il fait donc il travaille dans ce studio et dans l'arrière-boutique il donne des lectures avec le docteur euh, donc blackburn qui l'assiste il en fait deux par jour parce que de l'autre côté ils lui ont demandé de ne pas en faire plus par rapport à sa santé donc il respecte et pendant un certain temps eh bien, ça se passe comme ça, où euh, tous les jours, il va faire ses deux lectures dans l'arrière-boutique, assisté de Docteur Blackburn. Fin 1906, donc euh, à peu près un an et demi après qu'il ait ouvert le studio photo, un incendie ravage totalement le studio d'Edgar et de l'associé. Edgar perd absolument tout ce qu'il y avait dedans l'associé lui ne demande pas son reste. Hein. il reprend. Euh, il s'en va. Il, il laisse edgar comme ça. lui, euh, il va pas récupérer les fonds. ça, c'est certain. mais il s'en va. et il laisse edgar avec toutes les dettes. et donc, euh, eh bien, euh, il se retrouve totalement ruiné, edgar. puisqu'il est incapable de, de récupérer quoi que ce soit dans ce studio. alors, eh bien, il est obligé de donner des consultations. Financière pour pouvoir vivre. C'est donc ce qu'il va faire et il va euh, en fait donner des consultations pour un, le consortium des producteurs de blé dont Leslie, son père, fait partie. Il va donner des consultations, donc des lectures, sauf que en fait le consortium ne s'occupe absolument pas, ne prend pas en compte toutes les lectures. Que peut faire Edgar Qu'est-ce qui se passe à la finale Eh bien, euh, le consortium fait faillite. Et euh, donc, Edgar n'a plus de travail, mais une fois de plus se dit, ben, comme ça, je ne vais plus faire de lecture. Et une fois de plus, qu'est-ce qu'il se passe Edgar repère sa voix. Alors, il est déçu. Il est déçu parce qu'il se rend compte qu'en fait, ces lectures qu'il donne... Eh bien, euh, bah, certaines personnes n'en prennent pas compte, comme, comme par exemple ces producteurs de blé. Mais il se dit que bah, quelque part, c'est peut-être pas ce qu'il doit faire. En 1907, le premier enfant d'Edgar et de Gertrude va naître. C'est Huglein. Huglein, il aura un rôle important dans, le, dans le, les associations que va créer son père plus tard. Euh, par rapport aux lectures. Il va beaucoup s'en occuper. Mais ne parlons pas de ça pour le moment. Pour le moment, c'est un bébé qui vient de naître. Le problème, c'est que ce bébé naît à un moment donné où la situation financière des Casey est désastreuse. Alors, en fait, d'un commun accord, euh, Gertrude repart à Obskineville avec Unglein et euh, Edgar bah, dit à Gertrude, moi je vais rester à bowling euh, green jusqu'à temps que mes dettes soient totalement euh, épongées, que j'ai tout payé. Ça va durer deux ans. Ça va durer deux ans avant que Edgar puisse revenir à Obskinville. Alors il n'y a plus de dettes, mais il est totalement ruiné, totalement. En 1910, il s'associe avec un ami qui lui lui propose donc de financer pour exploiter de nouveau un studio photo. Et là, il va faire, il va faire la connaissance du docteur Ketchum. Le docteur Ketchum, en fait, il est homéopathe. Et en même temps, il est euh, un ami de Leslie, du père d'Edgar. Et donc, euh, avec le docteur Ketchum, eh bien, euh, Edgar va reprendre les lectures. Euh, des lectures qu'il va euh, essayer de, 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 de développer autrement. Et pour ce faire, le docteur Ketchum, Edgar, Leslie et un, un ami en plus, donc ils sont quatre, ils vont fonder une société. Et là, Edgar va devenir diagnostic, da, diagnosticien euh, excusez-moi, euh, médiumnique et donc comme ça eh bien ça lui permet de recevoir et de faire des lectures donc la société créée eh bien edgar kessy donne ses deux lectures par jour en plus de son travail dans le studio photo donc avec le docteur ketchum qui l'assiste sauf que ce dernier ne peut pas s'empêcher d'avertir la presse du phénomène edgar kessy et d'un jour à l'autre edgar se retrouve propulsé à la une des journaux où on parle de lui ou le phénomène, qu'est-ce qu'il comment, comment ça se passe, pourquoi il vit tout ça? Donc Edgar le vit très mal. Edgar le vit très mal et va se fâcher avec le docteur Ketchum parce que euh, il ne veut surtout pas euh, être de, au devant le devant de la scène. il veut pas être euh, qu'on parle de lui. c'est un homme qui est simple, qui est réservé et qui ne veut pas de cette euh, notoriété. Donc, il le vit très mal que, que, que d'un seul coup, comme ça, la presse s'intéresse à lui. En 1911, un drame va arriver dans la, dans la vie de, de Gertrude et d'Edgar, parce que, en fait, Gertrude met au monde leur deuxième enfant, Milone Porter. Mais cet enfant, en fait, va naître en mars et puis va mourir la même année, au mois de mai, donc de l'année 1911. Quand Edgar va faire une lecture par rapport à son enfant, eh bien, euh, on lui répondra que c'est trop tard, que le mal est déjà trop avancé et que de toute façon, euh, il va mourir. Là, Gertrude et Edgar vont sombrer dans une dépression. Edgar se reproche de ne pas avoir fait une lecture plus tôt, en se disant que s'il l'avait faite dès la naissance de l'enfant, peut-être que Milan Porter ne serait pas mort quant à gertrude elle est tellement affectée par le départ de son enfant et eh bien qu'elle attrape la tuberculose son mal empire de jour en jour donc euh, ils vont voir les, tous les médecins possibles qui viennent consulter euh, gertrude et en fait tous tous ont le même diagnostic gertrude va mourir elle ne peut pas être sauvée, la tuberculose est trop importante et donc son état est gravissime et elle ne peut que mourir. Sauf que, sauf que Edgar va, euh, va prendre une lecture. Et dans cette lecture, on va dire à Edgar qu'il faut qu'elle fasse des inhalations d'alcool de pomme venant d'un fût de chêne calciné et en plus qu'elle ait des séances d'ostéopathie. Alors ils vont suivre à la lettre ce qui a été donné dans les lectures, et quelques jours suffisent pour que Gertrude retrouve la forme, que son état s'améliore de jour en jour à une rapidité époustouflante, et en fait Gertrude, elle est guérie. Alors bien sûr, les médecins bah, ne peuvent pas expliquer parce que d'un seul coup, il n'y a plus aucune trace de la maladie. Et à partir de ce jour-là, Edgar demande à Gertrude qu'elle soit la seule à assister à ses lectures, à prendre des notes, à recopier. Et donc, le docteur Ketchum, euh, bah, euh, il ne veut plus le, le voir, puisque, encore une fois, encore une fois Edgar Kessy a été trahi, où en fait, on n'a pas respecté ce qu'il avait demandé. Alors il va quitter Hopkinsville. Il va s'installer à Selma en Alabama. Il va ouvrir un nouveau studio photo. Là, il va rencontrer David Kahn. David Kahn, c'est un ami qui sera fidèle et une rencontre très importante puisque il restera son ami jusqu'à la fin de ses jours. Donc c'est vraiment un être sur qui Edgar pourra toujours compter. Et pour, pour Edgar, c'est très important ça. Alors, ce dernier lui dit, mais pourquoi vous ne feriez pas des lectures psychologiques et professionnelles, ce qui permettrait à Edgar de pouvoir euh, le monnayer, puisqu'il n'a jamais voulu le faire par rapport au, à tout ce qui était la santé. En 1914, Hugline joue dans le studio photo de son père, manipule un petit peu le matériel du labo et finit par créer une explosion de magnésium. En magnésium, il est à deux doigts de perdre son œil. Les médecins disent que l'œil ne pourra parvenir tel dans l'état où il a été, dans l'état où il est. Edgar donc va demander une lecture et grâce au traitement. Qu'on va lui euh, indiquer dans cette lecture, où Glei ne, perdra, ne perdra jamais son œil et sera guéri. Donc il est sauvé. Quatre ans plus tard, naît le troisième enfant de, euh, de Gertrude et d'Edgar. Et puis, eh bien, depuis un certain temps, le rêve d'Edgar, c'est d'arriver à fonder un hôpital. Où les malades pourraient venir pour être soignés, ça serait le lieu où toutes ces personnes se retrouveraient et où Edgar pourrait faire ses lectures. Et puis, non seulement c'est son rêve, mais en plus il l'a déjà reçu en lecture. Et on lui a même déjà donné l'endroit. Mais il n'a pas de fond. Donc comment faire Il ne peut pas. Alors David Kahn a une idée qu'Edgar va complètement acquiescer et ils vont partir ensemble. Quelle est cette idée David Kahn lui dit, écoutez, avec des lectures, est-ce que vous ne pourriez pas pouvoir trouver des champs pétroliers et à ce moment-là, nous, nous serions en lien avec des, des hommes qui travaillent, donc des pétroliers, si vous leur trouvez les endroits où peut se trouver du pétrole, en échange, ils peuvent, eux, donner des fonds pour que soit construit l'hôpital dont vous rêvez. Edgar trouve vraiment l'idée géniale. Et donc, les voilà tous les deux partis au Texas avec des pétroliers. Et effectivement, suite aux lectures qu'Edgar donne, ils trouvent bien les champs où se trouve le pétrole. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Le seul souci, c'est qu'une fois que les pétroliers ont les terrains euh, qui sont euh, bah, où ils savent que se trouve le pétrole, ils oublient totalement l'engagement qu'ils avaient pris auprès d'Edgar Kessie et de David Kahn. Et jamais, au grand jamais, ils ne donneront un centime pour que soit construit l'hôpital dont rêvait euh, Edgar. Donc ils se retrouvent de nouveau. Eh bien, sans, sans argent et avec cette, cette idée, cette envie de fonder cet hôpital, mais sans pouvoir le faire. Donc encore une trahison, encore une trahison par rapport au pétrolier. Nous arrivons en 1923. En 1923, là, c'est une année qui va, être, qui va changer un petit peu la vie d'Edgar parce qu'il est donc dans son studio photo. Et un jour, rentre dans ce studio photo Arthur Lameur. Arthur Lameur, c'est un riche imprimeur qui vient voir Edgar et lui dit Voilà, j'ai entendu parler de vous, je sais ce que vous faites, je sais que vous donnez des lectures, mais moi, euh, ce pas des lectures par rapport à la santé qui m'intéressent. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont des lectures par rapport à la cabale, par rapport à tout le domaine ésotérique, philosophique. Par rapport à la, à la métaphysique. Edgar ne s'est jamais posé la question sur tous ces domaines-là. Euh, pour lui, en dehors de la Bible, il ne s'est jamais intéressé à rien d'autre. Mais Arthur Lameur lui dit Écoutez, moi je vous engage. Je vous engage, euh, si vous êtes d'accord, vous me suivez, je vous emmène avec votre famille dans l'Ohio. Et vous allez travailler pour moi par rapport aux lectures. Et comme ça, moi, j'ai plein de sujets qui m'intéressent. Et vous pourrez me donner eh bien, les lectures par rapport à ces différents sujets. Edgar, il accepte. Il accepte. Donc, voilà la famille qui part dans l'Ohio. Simplement, euh, bah, Gertrude a quand même deux enfants à s'occuper. Et... Euh, Edgar se rend compte qu'elle ne pourra pas être tout le temps là pour prendre toutes les lectures que, que Arthur Lameur demande. Alors, ils vont embaucher une femme qui s'appelle Gladys, Gladys Davis, et c'est une femme qui va être importante dans leur vie, puisqu'elle restera jusqu'à la fin de, leur, de, de, de la vie d'Edgar et de Gertrude. Ils l'engagent et donc ils partent dans l'Ohio rejoindre M. Lameur. Alors la première lecture que va demander cet homme va concerner l'astrologie ça concerne l'astrologie et en fait m. lamer s'était fait faire un thème et il voudrait savoir si ce thème est juste alors eh bien il demande une lecture par rapport à cela et pendant cette lecture qu'est-ce qu'il va lui être révélé? Alors, qu'est-ce que ce, cette lecture va révéler Eh bien, en fait, dans cette lecture, euh, Edgar va dire Nous voyons qu'il y a quelque chose d'inexact dans le thème, car il n'a pas tenu compte de la réincarnation. D'ailleurs, vous avez été un moine dans le passé. Donc, ça, c'est ce qui est dit à Arthur Lameur. Quand Edgar revient à lui, Arthur Lameur lui explique ce qui a été dit. Et là, bah là c'est un gros point d'interrogation pour Edgar. Pourquoi Parce que la réincarnation. Alors pour Edgar, la réincarnation, c'est un truc indien. Euh, il a jamais entendu parler de ça. Lui, c'est que la Bible, alors que la réincarnation, euh, même si on n'employait pas ce mot-là, parce que ce mot-là, c'est Alan Kardec qui en a parlé, mais. Euh, la réincarnation, on en parle déjà chez les Égyptiens, chez les Grecs, chez les Celtes, chez les Incas. Donc, euh, et puis à l'époque où vit Edgar, il euh, bah, y a euh, Alain Kardec, justement euh, qui en a déjà parlé, Léon Denis. Enfin, je veux dire que, mais Edgar, il s'en est jamais occupé. Donc, la réincarnation pour lui, c'est pas ce que c'est. Et puis, ça le dérange. Pourquoi ça le dérange Mais parce que lui, dans la Bible, dans la Bible, on ne parle pas de la réincarnation. Quoique, pas si sûr. Edgar, il s'interroge. Et puis il dit il faut que je relise la Bible. Et il demande à Gertrude de faire pareil, et à plusieurs de ses amis aussi. Et il se met à relire et à relire. Et en fait, eh bien, au fur et à mesure qu'il lit plusieurs Évangiles, il s'aperçoit qu'en fait, dans la Bible, on parle de la réincarnation. Alors bien sûr, on n'emploie pas le mot réincarnation, mais il y a des phrases qui sont données et eh ben qui sont explicites et qui parlent bien qu'il y a eu une vie avant. Alors ça le conforte. Alors il se sent bien parce que il est en osmose avec la Bible parce que faut pas oublier, hein, quand, on a, quand on repense à sa vie de petit garçon, euh, la Bible a toujours énormément compté pour lui et il a toujours euh, lu la Bible une fois par an, toute sa vie. Donc là, bah, il se sent mieux parce que quelque part, eh bien, ça concorde avec ce qu'il ce que, ce qu a reçu pour M. Lameur. Et une chose aussi étrange, c'est que depuis que M. Lameur est rentré dans la vie d'Edgar, eh les lectures. Ont changé un petit peu. C'est-à-dire que les personnes qui demandent des lectures en dehors de, de M. Lameur, qui demandent par rapport à leur santé, eh bien Edgar se rend compte que bien souvent, on va expliquer à la personne la maladie qu'elle a, le remède qu'elle peut, qu peut prendre, ça, ça ne change pas. Mais ce qui change, c'est que maintenant, dans les lectures, eh bien Edgar explique. Pourquoi il y a ce problème de santé et que bien, sou et bien souvent ça vient d'une vie antérieure de la personne. Et d'ailleurs là, à partir de ce moment-là, Edgar va appeler ces lectures des lectures de vie. Donc il va parler des vies antérieures et notamment pour beaucoup de personnes, euh, il expliquera, enfin il, il recevra en lecture que la vie vient que, que la personne était, avait vécu en Atlantide. On verra ça plus tard, l'Atlantide. On va en parler plus tard parce que c'est passionnant ce que Edgar Kessier a reçu par rapport aux Atlantes et à l'Atlantide. Mais donc, vous voyez qu'il y a tout un changement qui s'opère maintenant. Et là, il va recevoir sur divers sujets. C'est-à-dire qu'il va avoir une lecture sur la description de la vie de Jésus. Il va avoir une lecture sur les civilisations qui sont disparues. Il va avoir des lectures sur l'histoire de la, 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 de la création du monde. Donc, vu le nombre croissant de lectures, en fait, Edgar ne va plus faire que ça et va laisser la photo pour se consacrer à toutes ces lectures qu'il reçoit maintenant. En 1924, Morton Blumenthal, qui est en fait Blumenthal, pardon, qui en fait est un ami de David Kahn et qui est agent de change à la Bourse de New York, eh bien, va, euh, va accepter de mettre des fonds dans la construction de l'hôpital dont Edgar euh, a reçu la recommandation par lecture à Virginia Beach. Pourquoi à Virginia Beach Parce que dans les lectures, on lui a dit que c'était le seul endroit... Où il n'y aurait jamais de problème aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il a reçu dans des lectures des comment dire euh, des prédictions comme quoi une partie des États-Unis pour, pourrait être détruite par des tremblements de terre, par des des, euh, des inondations et Virginia Beach non. Donc voilà pourquoi dans les lectures, on lui demande de, de créer, de bâtir un hôpital à, Vir à Virginia Beach. Donc, ce monsieur Morton Blumenthal installe Edgar et sa famille à Virginia Beach et donne les fonds pour que l'hôpital soit créé. En même temps, euh, eh euh, euh, temps qu'il va financer, pardon, eh bien, il y a une, une association qui va être créée et l'association qui va être créée ça sera dans le but en fait d'analyser et d'expérimenter l'information contenue dans les lectures. Alors en 1928 à peu près oui novembre 1928, il y a l'inauguration de l'hôpital. Et là, eh bien là, il y a des gens du monde entier du pays entier qui viennent, les gens du pays entier qui viennent à cet hôpital pour recevoir des lectures par rapport à leur santé. Et d'ailleurs, il y a également une université qui va être créée euh, à vocation humanitaire euh, en plus donc de, euh, de, de l'hôpital. Donc ça c'est en 1928 sauf que en 1929 qu'est ce qui se passe? Il y a le crash boursier, le crash boursier qui va, euh, bah, ça va marquer le début d'une grande crise économique. et en 1931, eh bien L'hôpital est obligé de fermer parce qu'il n'y a plus les fonds nécessaires pour qu'il puisse tenir et euh, l'université aussi va fermer. Mais ça n'empêche pas Edgar de créer une association euh, qui s'appelait alors je vais vous le donner en, en français hein, parce que c'est pas, euh, pas comme ça, on, on le dit pas comme ça aux États-Unis, mais je ne sais pas exactement comment ça se prononce. Donc il va euh, fonder l'association ARE. Et cette association, en fait, elle aura comme pour but d'étudier et de diffuser les lectures reçues par Edgar. Voilà. Donc, c'est une association qui va se, plutôt s'orienter sur le pouvoir de la pensée, sur la méditation, les principes philosophiques et spirituels. Qu'est-ce qui se passe Parce que là, ça prend de l'ampleur. Donc, on parle de plus en plus d'Edgar Cayce. Qu Qu'est-ce qui se passe ben, C'est qu'en novembre 1931... Edgar et Gertrude sont arrêtés. Ils sont arrêtés à New York. Et pourquoi ils sont arrêtés Parce qu'on les accuse de dire la bonne aventure. Et alors là, il va se passer quelque chose d'assez extraordinaire. C'est que Edgar va se retrouver au tribunal, face donc au juge. Et en fait, il est tellement pur, tellement innocent qu'il en est presque naïf, quoi. Et qu'il ne comprend pas ce qu'il fait là. Et que quand le juge lui demande d'expliquer comment il reçoit ses lectures, ben il est incapable de le dire. Il ne sait pas d'où ça vient. Il ne sait pas. Et en fait, devant cette simplicité, eh bien, le juge euh, décide d'un non-lieu. Parce qu'en en fait, il comprend à quel point cet homme est, saint, est, est complètement saint, est pur, et n'a aucunement euh, l'intention. De, de, de frauder qui que ce soit, comme avait pu justement euh, bah, alerter les médecins, puisque c'était les, les bons médecins autour euh, qui avaient alerté en disant qu'il fallait arrêter parce qu'il était donc euh, 10 heures de bonne aventure. Donc bah, ça finit par un non-lieu. Mais pour Edgar, c'est euh, compliqué à vivre parce que, bah, une fois de plus, il vit une trahison aussi. Voyez un petit peu que le chemin de vie d'Edgar n'est quand même pas spécialement facile. Il a ses lectures, mais à côté, il a quand même beaucoup, beaucoup d'événements dans sa vie qui sont compliqués. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que au fil des années, au fil des années, en fait, Edgar va avoir les pouvoirs psychiques qui vont se développer de plus en plus. Il va pouvoir ressentir les conditions physiques et émotionnelles d'une personne en face de lui. Il va pouvoir voir les auras. Donc c'est quelque chose qui va se développer en lui en plus de ses lectures. Mais bien sûr, comme toujours, plus sa réputation grandit, plus euh, les détracteurs sont nombreux à venir à Virginia Beach en étant persuadés qu'ils vont, eux, arriver à trouver la faille. Mais en fait, dès qu'ils approchent cet homme, dès qu'ils le voient, dès qu'ils constatent ce qu'il reçoit et comment il travaille, ben il repart convaincu de sa sincérité, de l'authenticité des lectures, et en fait ben, aucune personne ne peut dire quoi que ce soit sur Edgar. Il faut savoir quand même que durant euh, l'année euh, la Seconde Guerre mondiale déjà, durant la Seconde Guerre mondiale, il reçoit des sacs entiers de courriers. Et donc, qu'est-ce qui va se passer en recevant ces sacs de courrier Eh bien, co par rapport à ces sacs, en fait, Edgar, il se trouve devant un gros dilemme, c'est-à-dire qu'il veut répondre à tout le monde. Et pour pouvoir répondre à toutes ces demandes de lecture par rapport à la santé, il va pousser les lectures à 6 par jour, alors que de l'autre côté, on lui avait toujours demandé de ne jamais dépasser deux lectures. Donc, il va s'épuiser, mais... Pour lui, il ne voit pas comment il peut trouver une autre solution puisque là, même en en faisant six par jour, il y a deux ans d'attente tant le nombre de demandes est grand. Donc en 44, en 44, Edgar il est épuisé, totalement épuisé, et euh, il va être hospitalisé. Il va être hospitalisé, il va faire une attaque et il va avoir une partie, euh, paralysée, euh, une partie du corps paralysée. Il n'en peut plus. Et quand ses amis viennent le voir à la fin de l'année 44, il va leur dire, ne vous inquiétez pas, bientôt je serai totalement guéri. Et là, ses amis comprennent qu'en fait, et parce qu'il va même préciser, peu de temps après le Nouvel An, je serai totalement guéri. Et là, les amis comprennent. Quand il leur dit ça, qu'en fait c'est parce que il sait qu'il va mourir. Et effectivement, le 3 janvier 1945, Edgar ben, repart à l'au-delà. Euh, Edgar décède et euh, Gertrude, Gertrude va partir elle trois mois plus tard. Gertrude va s'éteindre à la vie terrestre euh, en avril 1945, le dimanche de Pâques. Alors, eh bien gladys, gladys davis, qui est la secrétaire depuis maintenant pas mal d'années, en attendant que les, les fils euh, Cassie reviennent de la guerre, eh bien, gladys, elle va commencer à archiver, à classer toutes les lectures par thème, euh, par date. donc, c'est un travail colossal. tout ce qu'elle avait noté et recopié, elle va tout archiver. et euh, elle va rester euh, très active, puisqu'elle fait partie des associations, de la, la RE. elle en fait partie aussi et elle va rester active euh, pour tout ce qui concerne Edgar Casey jusqu'à euh, jusqu sa mort elle va mourir à 81 ans en 1986 donc vous voyez que c'est pas si loin de ça de nous en fait hein. et Ugline euh, va se charger par contre lui de la euh, jusqu'à sa mort donc Ugline il va partir lui en 1982 les membres de la de l'ARE qui étaient quelques centaines au départ se retrouvent à être des dizaines de milliers. Et aujourd'hui encore, vous avez énormément d'étudiants qui se déplacent jusqu'à Virginia Beach pour aller consulter les différents dossiers, les différentes lectures. Rendez-vous compte que c'est le seul, le seul médium qui a laissé toutes ces lectures que l'on peut lire encore. Unline va, va dire de son père... Euh, Edgar, d'Edgar enfin, hein. euh, c'était un père et un mari remarquable exceptionnel et quand il était en auto-hypnose quand il recevait ses lectures c'était un, 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 une tout autre personnalité parce que c'était un clairvoyant qui était pratiquement universellement connu Apprécié et même vénéré, parce qu'il y a énormément de personnes qui considéraient qu'ils avaient été sauvés par rapport à leur santé grâce à la lecture d'Edgar Kessy dans, le dans le monde entier. Il faut savoir que Edgar Kessy a laissé plus de 14 000 lectures qui, sont, qui peuvent toutes être lues si on se déplace à Virginia Beach. Et il a reçu euh, plus de 8000 personnes pendant, durant 43 ans. C'est énorme. C'est absolument énorme. Moi, pour terminer, je dirais à Edgar Kessie, merci monsieur. Merci de tout ce que vous nous avez apporté et de tout ce que vous nous apportez encore. Merci de toute cette humilité qui a été vôtre, de toute euh, de cette vie. Euh, quand même difficile que vous avez pu avoir, mais que vous avez consacré aux autres, que vous avez permis d'aider la guérison, et puis surtout de toutes ces lectures que vous nous laissez et qui concernent euh, tous les domaines euh, de, de tout ce qui est ésotérique, de, de enfin tellement de domaines différents. Alors merci monsieur, soyez remercié de tout cela, et euh, j'espère que eh bien qu'on parlera encore longtemps d'Edgar Kessie. Alors nous n'en avons pas terminé avec lui si vous le voulez bien. Il y aura une troisième vidéo peut-être même une quatrième sur Edgar Quissi parce que la prochaine fois je vais vous quand même vous parler des prophéties d'Edgar Quissi et puis euh, de tout ce qu'il a reçu par rapport aux Atlantes et à l'Atlantide et à l'Égypte. C'est absolument fabuleux et on ne peut pas parler d'Edgar Quissi sans parler des prophéties et de, de l'Égypte et de l'Atlantide. c'est impossible. Euh, c'est passionnant, j'espère que j'arriverai à vous faire passer ce côté passionnant dans les prochaines vidéos. Donc eh bien euh, courant de l'été je pense qu'il qu y en aura une qui sera diffusée. En attendant, je vous remercie, passez un bel été et puis je vous remercie de m'écouter et je vous remercie pour tous ces beaux messages que vous m'adressez. Euh, ça me fait chaud au cœur. J'essaye de répondre à tout le monde. Je prends beaucoup de temps, je sais, pour répondre parce que j'ai aussi mes consultations, parce que j'ai aussi les enseignements que je reçois de l'au-delà. Donc je ne peux pas répondre aussi vite que je voudrais. Mais dans la mesure du possible, je vous réponds. Et une petite parenthèse aussi qu'il est important que je signale. Surtout, je ne parle jamais sur Messenger. Vous ne m'aurez jamais en direct sur Messenger. Je ne demande jamais d'argent par Internet et je reçois uniquement en cabinet. Voilà. Ceci pour éviter euh, que, que des personnes malveillantes se fassent passer pour moi parce que je sais qu'il y en a eu. Je vous souhaite un très bel été. Merci du fond du cœur de m'écouter et à très bientôt. Au revoir.